Change d'épisode. On change de pull. On se met un petit polo. Oh, petit polo. Ah, mais là, ça va passer au-dessus de ton t-shirt. Ah oui. Hop là. Début de la vidéo. Non, on doit te préparer, c'est bien. Ouais. L'alignement. On fait une intro d'abord, non? Ça serait pas mal, ouais. Pieds, genoux, hanches, épaules. Oh là là, magnifique. Bien le bonjour à tous. Attends, je sais pas quoi faire. Bien bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avec Laurent, on se retrouve encore une fois à Moliets sur des séries de vidéos beaucoup plus techniques. Vous l'avez vu sur la miniature. Là, ça va être l'alignement parce que je m'aligne encore, mais comme un peintre, mais comme une chèvre. Et c'est ça. Qui joue beaucoup aussi sur mes mauvais coups. Parce que je veux compenser. Ouais, tu compenses ton swing un peu comme tout le monde par l'alignement. Ouais, ouais. Et c'est souvent un truc un peu sans fin, quoi. Je vais m'expliquer dans quelques secondes pour ça. Ouais. La chose est que l'alignement, je pense que qu'on soit pro ou qu'on soit 54 d'index, ça reste quand même quelque chose de très compliqué Ouais, c'est compliqué. Parce que entre s'aligner au practice et s'aligner sur parcours, c'est pas la même chose. On verra peut-être plus tard. Non, c'est pas pareil. On va le voir en suivant. Tu vois, on va se faire une première partie là, practice. Ouais. Et derrière, on va faire parcours. Okay. On va pas passer deux heures pour l'alignement là, sur le practice. Ouais, mais bien sûr. Voilà, les trucs de base. Déjà, t'arrives sur un practice, comme ça, obligé, parce que c'est, tu vois, c'est large et tout. Tu sors le drive. tu sors le drive. Et tu bourrines. Fort. Déjà, tu mets. Alors, il y a des gens qui ont des tiges dans le sac. Ouais, moi j'en ai pas. C'est bien les clubs. Donc là, tu mets ta tige, tu vois, ton club ou ta tige. Donc tu mets ta première tige, c'est quoi? C'est tes pieds? Voilà, là c'est les pieds. Mais la base, c'est les pieds, parce que tu peux pas mettre une tige en l'air. Et du coup. Oui, non mais oui. Non, je rigole. Mais il y en a beaucoup qui mettent deux tiges. Donc là, la balle vise et ceux que les pieds visent. Ouais, mais alors ça, il y a souvent ce débat-là, mais au final, c'est deux lignes parallèles. Ne se croisent jamais. Et du coup 50 cm là, à 200 mètres c'est toujours 50 cm. Ça voilà, ça c'est très important à rappeler. Les yeux ils convergent un peu, ouais. Divergent, bon c'est un peu compliqué, mais moi je préfère aligner direct sur la cible ou un millimètre à gauche. Donc là, bien l'aligner, tu vois, je le mets un millimètre à gauche du poteau, du premier poteau là qu'on vise. Ouais. Voilà. Premier poteau en fait, là. Ok. Ouais, premier poteau. Et ça en fait c'est le truc de base. Tu vois, on voit énorme de pros. Je sais pas si vous aurez joué déjà avec Romain Lingasque. Ouais. Il va vous parler de ça. Ce truc-là, cet alignement. Lui, pour lui, l'alignement de la tige, tu vois, enfin la tige au sol quand tu arrives au practice, c'est hyper important, il a raison. Et en fait, tu vois, c'est ça. Donc là-bas, c'est ça. Après, attention, il y a des pros. Tu verras des pros s'aligner à gauche, tu vois, des super forts. Fred Koppel, si tu alignes 40 mètres à gauche. Tu en as un peu Matt Cuchard qui est aligné à droite et qui la joue comme ça. Mais ça nous fait une petite référence de base. Ok. Tu vois. Là, on a les pieds alignés. Donc derrière, attention, tu vois, parce que là, même malgré le club, on peut toujours se mettre de travers, ouais. Tu vois. Bien faire attention, tu vois, à avoir une ligne parallèle avoir avec les pieds. Bien parallèle, ok. Et de là, en fait, si tu es comme ça ici, ben là, toi, tu crois que tu es aligné avec les pieds, mais les épaules sont de travers et tout. Ouais. L'alignement, c'est vraiment pied. Je sais pas si tu peux mettre une ligne après à la vidéo, mais pied, genou, hanche, épaule. Ça, c'est l'alignement. Voilà, il faut que tout ça soit empilé, aligné, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, c'est hyper important de mettre tout à peu près parallèle. D'accord. Tu vois. Toutes les lignes du corps qui se mettent dans le même sens. Même si on sait que les épaules sont un peu plus ouvertes, normalement, mais bon, on va pas pinailler, quoi. Ouais. Tu vois. C'est que tout soit bien empilé. Ça, et ensuite, il y a aussi le positionnement de la balle dans le stance. Ouais. Tu vois, tu viens en face. En face. Hop. Et en fait, si la balle... Le truc, c'est que si tu mets la balle à gauche, par exemple... Trop à gauche avec un fer 7, bah pour aller la chercher, tu vas mettre les épaules comme ça. Ouais. Donc tu vas avoir du mal, tu vois, à mettre bien les épaules. Donc c'est hyper important quand tu t'alignes, tu vois, c'est pas mal de partir pieds joints. Qu'est-ce que tu préconises là, quand c'est pas mal de partir, c'est pas mal d'arriver bien en face de la balle. Donc tu es derrière comme ça, tu prends soit un point, soit une ligne globale. Ouais. Ok, mais là on a la tige, tu vois. Et surtout, tu viens bien, tu vois, parallèle, tu fais bien l'effort de venir face à la balle. Parce que si tu arrives et que tu es déjà un peu trop comme ça, tu vas peut-être te mettre de travers, tu vois. Donc au début, j'aime bien qu'on arrive face à la balle, pieds joints. Et là, quoi, on fait pied gauche, pied droit. Face, pied gauche, pied droit. Ouais, voilà. Bah, t'as les pieds là avec ça. Hop. Ouais, mais quand moi je dis face, c'est est-ce que tu positionnes ta face et après par rapport à ta face. Ouais, souvent c'est la face. Perpendiculaire à ça. Souvent c'est la face en premier. Tu vois, vraiment. Tu verras les joueurs à la face en premier, souvent avec une main. Rarement avec les deux mains directes. Tu vois, donc c'est hop, la main droite ici. Hop, on aligne bien la face. Ensuite les pieds, on met bien la balle au milieu, on est parti pieds joints, bien la balle au milieu, comme ça. Et là on fait bien gaffe, genoux, hanches, épaules. D'accord. 90% des amateurs ont les épaules ouvertes. D'accord. À gauche, tu vois, comme ça. Ouais. Donc
Une fois que tu as les pieds et la face, genoux, hanches, épaules, tout dans l'axe. Et là, une fois qu'on est tout dans l'axe, tu vois, à l'entraînement, on fait cet effort-là tout le temps. Tout le temps avoir une baguette à l'entraînement. Ouais, tout le temps avoir une baguette. Et là, une fois que tu es bien comme ça. Ush. Un peu profond, mais c'était pas mal. Hein. Elle reste un peu à gauche, quoi. Si de la target, c'est le poteau. Ouais, ouais, mais tu sais, moi, 6 mètres à gauche. Non, mais moi aussi, 6 mètres à gauche, ça me va. Hein, mais Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. Vraiment, le setup, hyper important. Ok. Donc là, déjà, tu t'entraînes à faire ça un peu. T'as pris mon gant, du coup, ou c'est un. Donc c'est là, on met. Non, ouais, c'est un vieux. Mais là, on va mettre bien la caméra dans l'axe. En fait, quand je vais te dire décale-toi un peu là, tu vas te décaler là, et après, tu vas te décaler là. Pour juste un truc. Ok. Donc, juste petite remarque. Pour la caméra. C'est vrai que c'est super intéressant, ça. La caméra, en fait. Donc là, toi, t'es parfaitement dans l'axe. Attends. Là, je suis parfaitement dans l'axe. Voilà, là, t'es parfaitement dans l'axe. Donc, si je fais ça, ici, t'as l'impression que mon club, il est pile dans la ligne des mains. Ouais, okay, il est square, ouais. Voilà. Là, je bouge pas. Décale-toi par là-bas. En perpendiculaire, comme ouais, ça. Décale-toi. Non, vas-y, décale-toi et en même temps, tu tournes un peu. Là, on a l'impression que j'ai le club à l'extérieur. Ouais. Ok. Ouais. Et maintenant, décale-toi de l'autre côté. Là, on a l'impression que j'ai le club à l'intérieur. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et là, en fait, j'ai pas bougé. Donc, l'angle de la caméra, c'est ultra important. Ok. C'est quand, vous filmez, ouais, ouais, être c'est, à c'est 1m50 quand du quand sol. Quand on est en haut, en fait. Si on filme d'en bas, si tu me filmes d'en bas, voilà, t'as l'impression que je suis un peu en overswing. Alors que si tu me filmes d'en haut, tu vois, t'as l'impression que je swing plus court. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est hyper important sur. Putain, il y a des bêtes là, je me fais dévorer. C'est parce que t'es avec moi, ça. Ouais, ouais, ça me fait défoncer, moi aussi. Et en même temps, il fait chaud. Et du coup, ça, c'est hyper important, l'angle de la caméra. Voilà. Parce que même si on prend ces angles-là, on va avoir plus de lag, moins de lag. Il faut faire gaffe. Quand on est ici, là, comme ça, ouais, hop, il peut avoir plus de lag là que si on est en face, en ouais, fait. Ouais, ouais. Donc, attention à ce qu'on regarde. Dans les vidéos du tour, les gaffes sont filmés d'en haut souvent. Donc on a l'impression que les swings sont plus courts. Souvent ils sont filmés un peu de là, donc voilà, donc bien faire gaffe à tout ça et voilà et c'est tout. Et donc là tu peux attaquer. Ça, donc on met bien la caméra dans l'axe, nous, et on va pas la bouger cette fois. Ouais, ou alors on la remettra au même. Voilà, donc toi tu viens derrière, tu regardes que ce soit bien aligné ton truc là, tu vois, ton setup là avec le club et tout. Ouais. Voilà, fais confiance. Si le club il est dessus, tu la mets au pire un peu plus à gauche, t'as envie, mais tu vois, voilà. De là, voilà, t'es arrivé bien face à la balle, tu vois. Hop, comme ça tu fais pied gauche, pied droit. Le pied gauche, tu l'ouvres un peu, toi t'es un peu fermé, tu vois. Voilà, prends-le un peu plus le club, tu vois. Voilà. Voilà, t'as la face bien alignée. Là, tu prends le club avec les deux mains. Voilà. Là, tu bouges un peu parce qu'il faut pas être mal à l'aise, tu vois. Tu peux même piétiner, hein, tu sais, comme un chat. La gueule du chat. Et gros le chat. Et tous les coups d'essai, je l'ai fait. Enfin, toute ma routine, je l'ai fait avant alors. Ouais, la routine avant, mais on va pas non plus être aussi strict sur le parcours. Ça, c'est vraiment pour pas choper de défauts. D'accord. Je vais expliquer pour toi pourquoi. Voilà ça. Pied, genou. Voilà, hop. Genou, hanche, épaule. À droite. Voilà. Voilà. Et là, du coup, t'es parfait. Donc là, maintenant, tu swings. Tu swings tranquillement, hein, parce que là, on n'a pas fait de swing d'essai et tout en plus. Tranquille, pas toucher le sol. Voilà, magnifique. Très bien. Et ça, si tu veux. T'as besoin de deux ou trois, tu vois, juste qu'on s'habitue. Je peux prendre les jaunes là, à chaque fois avec la même routine. Practice sur herbe. Tu préconises de à chaque fois le mec. Dès que tu vois de l'herbe, tu prends une practice sur herbe. Ah oui, non, mais ça c'est ah sûr. Ouais, voilà. Mais dès que là, ce setup là, le mec se remet derrière. Non, pas tout le temps justement, c'est pour empêcher ça un peu, tu vois. Okay. Voilà, t'arrives bien en face de la balle, parfait. Face de club, tiens-le encore le club quand tu fais ça. Avec la main droite là, tu vois, le temps que tu places. Ah, mais main droite, c'est main gauche en haut. Non, ouais, mais mais tiens-le bien, tiens-le longtemps, le temps que tu places les pieds, tu vois. Parce que souvent, tu le tiens comme. Voilà, là, c'est bien, ouvre ton pied gauche, oublie pas. Voilà. Attention, tes pieds, tu vois, par exemple, sont un peu à gauche du club là. Ouais. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Hop, pied, genou, hanche, épaule. Les trois là, tu vois. Parfait. Et là, maintenant que tu es là, toi, c'est que contact, équilibre à la fin. Pour l'équilibre, on sait qu'il faut faire le truc des appuis. Contact, équilibre. Voilà, très bien. Contact, équilibre. Là, on est vraiment sur l'alignement. Hein. On n'est pas pour. C'est ouais, pas ouais pour, bien sûr. Oui. C'est pas pour toi en particulier, tu vois. C'est ouais, vraiment pour donner des tips, un truc de base, quoi. Une troisième comme ça. Ouais, voilà. Vu que là, on a le club, tu peux rester là. De face, voilà. Tiens-le comme ça, le club, tu vois. Tiens-le. Tiens-le jusqu'au bout, là. Voilà, que la face bouge pas trop. Un peu mieux le pied droit, recule un peu le pied droit. Et oui, rien que là, avec un club, déjà, c'est dur. Ouais, ouais. Voilà, parfait. Tiens-le, le club, toujours. Que tu tiennes la face, tu vois, sinon elle peut bouger un peu. Voilà, parfait. Genou, hanche, épaule. Ok, parfait. Donc là, dans ton entraînement, comme ça, tu seras sûr d'être aligné toujours pareil. Talon. Hop là. Hop, le petit push slice. Un talon, je crois, non? Ou talon, peut-être. Petit socket, c'est possible. Ouais, mais peu importe, tu vois. Là, en fait, du coup, je te reprends la place. Toi, ouais, tu peux bouger si tu veux avec le machin. Donc ça, en fait, c'est pour pas créer de défauts
Tu vois, plus tard, je m'explique, tu vois, si tu te mets dans l'axe derrière. Au début, tu vas commencer à faire des poules, tu vois. Hop, toi, tu vas... Toi, la plupart des amateurs, on prend le défaut majeur, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans l'autre sens. Donc, défaut majeur, c'est ça, tu vois, comme ça ici. Et là, tu commences à balancer, tu vois, 2-3 poules comme ça, un peu exagéré. Mais toi, ce que tu vas faire, naturellement, c'est que tu vas te mettre comme ça. En fait, l'alignement, personne s'aligne un coup à gauche, un coup à droite, si on remarque bien. C'est toujours, toi, tu vas être toujours à droite, la plupart, c'est toujours à droite, tu vois, à droite avec les pieds. Et au bout d'un moment, plus vous êtes à droite avec les pieds, et plus les épaules, elles viennent comme ça, parce que tu compenses, tu vois. Voilà. Et là, alors j'exagère un peu trop là, mais là, et là, tu vas vraiment provoquer ce chemin-là, tu vois. Donc, hyper important sur le practice, en fait, d'être comme ça, bosser ça régulièrement. Dès que tu as fait ton parcours, tu reviens en practice, tu fais ton petit truc d'alignement, Alors là, si tu le fais trop rigoureux comme ça, tu as vu, tu as senti, tu n'es pas à l'aise normalement. Donc, on ne peut pas faire ça sur le parcours. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'alignement du practice et l'alignement du parcours. Et alignement sur le parcours avec danger à gauche, avec danger à droite, selon l'effet que tu veux faire, etc. Il y a quand même plein de trucs à faire, tu vois, différents. Mais ça, c'est de base sur practice pour. C'est le truc de base. On voit trop de gars qui... Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es comme ça ici, c'est trop dur de se rattraper. Tu vois. Et donc, les sliceurs, il vaut mieux qu'ils mettent les pieds un peu à gauche, épaule à droite, pour vraiment provoquer ça, et les hookers dans l'autre sens. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tu vois le truc? Je vois. Voilà. Donc là, déjà, au practice, tu peux essayer de faire ça sans le club. Allez voir si... Deuxième temps sans le club. Donc tu t'appliques énorme sur la phase de club posée au départ. Donc tu regardes derrière, tu prends un point ou un truc global, tu vois, essaye de vraiment être précis. Tu fais bien le tour pour venir face à la balle, hyper important. Ok. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Là, tiens bien la tête de club là, regarde un peu la cible. Voilà, les pieds là, vas-y, les pieds là, ils sont un peu à gauche, tu vois. Vas-y, piétine un peu pour mettre vraiment, tu vois, ta cible elle est là. Voilà. Mais toi, d'habitude, c'est dans l'autre sens, donc c'est pas gênant. D'accord. Là, hop. Maintenant, tout de suite, tu penses à remonter, ça va devenir un réflexe. Genoux, hanches, épaules pour finir. Hyper important, les épaules. Voilà, parfait. Une fois que tu es là, là, tu es aligné pile dans l'axe. Là, maintenant, tu fais contact, équilibre, c'est le truc du moment. Voilà, magnifique. Et là, c'est assez précis. Après, tu peux t'entraîner et mettre, tu vois, vas-y, mets une autre balle. Tu te mets un point de repère devant. Un truc un peu grossier. Ouais. Tu vois ? Voilà, viens derrière pour mettre bien là. Tu fais avec ça là, comme ça, t'as pas besoin de bouger, tu vois. Ouais. Voilà. Je prends la balle de devant, en gros. Voilà, tu prends la balle de devant. Tu places bien ta tête de club que tu tiens bien avec la main droite. Voilà, regarde la balle. Regarde la cible aussi à chaque fois. Voilà, parfait. Regarde que ce soit parallèle. Voilà, c'est très bien. Regarde que ça, tu vois, t'es bien parallèle dans les deux, là. Ouais. Voilà, tiens le club, tu vois, tu le tiens trop avec un doigt à chaque fois. Je lui ai dit juste 14 fois de tenir le club, mais c'est tout. Voilà, parfait. Genoux, hanches, épaules, hein, surtout. Voilà, parfait. Voilà, là, tu sens que t'es où, toi? J'ai l'impression d'être à gauche, moi, là, un peu. Ok, alors bouge un peu plus les épaules à droite. Voilà, quand t'as l'impression d'être à gauche, bouge un peu les épaules, là, tu te sens plus à droite, non? Ouais. Voilà, ça, c'est important. Allez, et là, tu fais contact. Voilà. Bon, magnifique, en plus, on a le contact. Et après, un peu à droite, un peu à gauche, ça reste... Ça reste du golf, tu vois. Mais voilà. Donc là, ok. Mais là, on est resté droit. On a la tige avant. On est bien rigoureux, etc. Mais là, je te dis, sur le practice, déjà, tu vas changer de cible. Et là, on va jouer le piqué du haut, là-haut. Parce qu'en fait, changer les angles sur le practice, selon les configurations, changer les angles, ça change déjà pas mal de choses. Donc déjà, on se rapproche un peu du parcours. Ok. Tiens, reste là où t'étais un peu, là. Là. Pour les divots. Putain, la classe, les divots, là. Divots de pro. Non, mais sans deck. Hein ? Ouais. Ok. Poteau d'en haut, là. Ok. Donc on tient bien, tu vois, la phase de club, trouve-toi soit un point, soit un truc un peu dans la globalité, mais vraiment, une fois que t'es là, voilà, une fois que t'es là, tiens le, attends, avant d'écarter les pieds, tiens le bien, vérifie déjà une fois ta cible, regarde un peu la cible là, tu vois, la cible au bout là-bas, voilà, voir si t'es bien, tu vois, hop, parfait, parfait, là tu le tiens, ok, tac, tac, toi tu te sens où là? Là, à droite, là, avec les épaules. Ok, ben vas-y, mets-toi un peu plus à gauche avec les pieds alors. Les épaules, on sait qu'elles sont calées normalement, tu vois. Voilà, parfait. Et là, on y va. Contact, finish équilibré. Voilà, regarde, ça là, elle est topée un peu. Mais ça part dans l'axe. Ouais. Donc là, on est bien. J'étais bien aligné ou pas? Ouais, ouais, là, t'étais bien aligné. T'es bien aligné, mais t'es pas à l'aise. Si, si, parce que là, t'as une routine d'alignement, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, donc là, à un moment donné, regarde, hop. Si vraiment t'es précis. T'arrives en face et tout, pas mal t'aligner. Mais le problème, c'est que sur le parcours,
tu peux pas faire un truc trop robot comme ça. Ouais. Sinon, au bout d'un moment, tu vas être complètement perdu. Mais non, mais c'est pour ça que je prends trop de temps. Et ouais, mais c'est ça. Et puis sur le parcours, on va être, tu vois. Parce que tout ce que tu me dis, moi, j'essaie de le faire. Hein. Ouais, mais alors ça va être peut-être handicapant au début, mais je pense que dans l'avenir, ça va marcher. La preuve, là, c'est que ton swing, il est quand même assez solide. On va arriver, ça va être un peu plus global. Et puis, il faut que sur le parcours, en fait, quelque part, il faut un peu compenser. Ouais. Si t'es un peu à l'aise et que t'es un peu fermé, tant pis, tu vois. On sait qu'on peut faire un peu le truc comme ça, on limite la casse. Ouais. Et au practice, on va corriger. Ouais. Donc, sur le parcours, il faut pas non plus être aligné parfaitement à chaque fois et être mal à l'aise. Tiens, je vais m'aligner, là, tu vas me dire où je suis. Toi, quand tu regardes quelqu'un, tu prends l'habitude. Tu vois, là, regarde, moi, j'ai vraiment la phase de club. Tu peux regarder une ou deux fois, hein. Tu vois la cible. Ouais. Hop. Là, je suis aligné où, là? Ouais, t'es bien, là. Voilà, là, je suis bien. Voilà, hop. Voilà, mais là, une fois que t'es là, il faut pas hésiter à bouger un peu, tu vois, comme ça, là. Mais là, tac. Du coup, là, en faisant ça, je te coupe un tout petit peu. Ouais, tu piétines et tu peux te changer. Ouais, parce mais que là, ton petit gauche, il s'est un peu reculé. Ouais, mais c'est là où tu te mets à l'aise, et ça, ça va, même si t'es moins bien aligné, mais tu vas être plus à l'aise. Moi, je privilégie le côté à l'aise, tu vois. Au pire, tu vas au practice un peu changer le truc, là. Mais voilà, moi, je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Oh, alors celle-là, ouais, vas-y, là tu peux. Au moment, au point de chute. Je change de cible. Ouais, ouais, exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hop, tu changes de cible. Je prends l'arbre. Après, voilà, bien la ligne parallèle, la ligne avec ces deux trucs. Là, voilà, tac, tac, parfait. Tiens le club. Voilà, piétine pour te mettre à l'aise. Faut que tu sois à l'aise au bout d'un moment, là, tu vois. Voilà, hop, les épaules, parfait. Et là maintenant, c'est contact équilibre. Oh là là, magnifique. Là, celui-là était aussi beau que le mien. Ah, celui-là, il était sympa. Fabuleux. Ouais, celui-là, il était fabuleux. Cool. Et là, tu vois, c'est exactement ça. C'est que le fait de piétiner, je me sens bien mieux voilà. Après. Ouais, c'est hyper important. Tu vois ouais, parce ça, que hyper si important. J'étais resté comme ça, là, et c'est un tout petit peu, hein, tu vois, je pense que c'est juste un tout petit peu, mais ça m'aide beaucoup. Hyper trouve. Important. C'est bon. Bon, et ben, très bien. Voilà, on aurait pu faire 4-5 trous, machin, mais on peut faire ça sur un thème, se faire 9 trous. Voilà, alignement, tout pour le long. Pour rester sur ça. Alignement et après, sur practice. Pas se plaindre parce que tu fais autre chose. C'est l'alignement. Voilà, tu... c'est ça. Mais après, il faut jouer avec souvent. Un pote. Et après, ouais, voilà, c'est mieux. Pour savoir. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Ouais. Parce que si tu dois mettre là les trucs, là, le trépied à chaque fois et tout, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Laurent. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. Voilà. Et puis, on espère que vous avez kiffé. Ciao tout le monde. Ciao.